Où sont-elles? Suivons-les. Où sont-elles? Elles ont traversé la limite. Elles sont entrées dans une autre communauté, le Modou. Elles ont la chance. Elles n'ont pas la chance. Elles seront tuées là. Cette communauté n'accepte aucun étranger. Ça, c'est bien. Ça, c'est leur affaire. Ça ne nous concerne pas. Rentrons au palais et dire à Igwe. Partons. Maman, où sommes-nous là-bas? T'es sûr? Je suis fatiguée. Mets-toi alors ici. Ici alors. Avance. Avance. Très fatiguée. Quoi? Que je m'assoie ici. Oui, maman. Assieds-toi. Mais maman, qu'est-ce qu'on passe les gens? Qu'est-ce que tu veux encore de nous? C'est quoi le problème avec nous? Ils veulent quoi? Mon Dieu. Peut-être qu'ils peuvent venir de ces problèmes. Ils vont pas. Ma fille, je suis fatiguée. En plus, j'ai mal. J'ai mal ici à ma chambre. Regarde. Mais qu'allons-nous faire? Reposons-nous un peu ici. Maman, s'il te plaît, cet endroit n'est pas bon. Maman, on ne connaît pas ici, on ne connaît pas aux alentours, s'il te plaît. Oma, Oma, regarde. Regarde, je reste une chose. Maman. Je ne sais pas si je saurais marcher. Maman, tu dois peut-être essayer, S'il te plaît, essaye, Maman. Ma fille, ta maman est fatiguée, s'il te plaît. Assieds-toi. Assieds-toi ici, c'est mieux. Je pense qu'ils sont restés là-bas à la forêt. Ils ne vont pas arriver ici. Assieds-toi. Maman? 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 Hé! Hey! Hein? Hein? Regarde là-bas. Qui êtes-vous et que faites-vous là? Mon Dieu, ma jeune... Parlez! Pardon? Que faites-vous ici? D'où venez-vous? Vous venez, parle! Écoutez, nous venons des Iako. Oui, oui, c'est vrai. Les Iako, je pense qu'elles sont maudites. Tuons-les avant que les maudites soient traitées. Laisse-les. Leur problème sera tranché par Igwe. Amenons-les chez Igwe. Debout et partons. Je pense que tu as raison. Debout, tenez-vous debout. Doucement, s'il vous plaît. Maman, lève-toi. Écoutez, aie pitié de moi. Je te debout, maman. Je ne saurais pas. Je ne saurais maman, plus marcher. Maman, tu n'arrives pas à bouger. Je ne saurais pas. Amenons-les chez Igwe. Je ne saurais pas. Amenons-les. Amenons-les. Non, doucement, doucement, arrête. Je ne saurais pas. Je ne saurais plus marcher. Je ne saurais plus bouger, s'il vous plaît.
Partons, oui, partons. Attendez, doucement alors, doucement. Ces oui, chemins-là, tout droit. Maman, oui, tout doucement. Oui, je pars. Marche, oui, marche, marche. Je marche, oui. Nous n'acceptons pas les étrangers dans cette terre. Oh, oui. Désolé, oh. Marche, on y va. Marche un peu vite, partons. Mon cher, toi, tu passes devant. Maudite que vous êtes. Partons, partons. Eh, franchement, les garçons, avez-vous une mère? Madame, on y va, on y va. Marche, ne me pose pas des questions. Nous refusons que les étrangers viennent dans notre terre. Ces côtés. Ngachi! Ngachi! Pourquoi est-ce que tu cours? Qu'est-ce qu'il y a? J'arrive au palais. Qu'est-ce qui ne va pas là-bas? Oh, Bina, viens, j'étais passée avec des étrangers et qu'elle avait au palais. Je crois que c'est pour l'exécution. Es-tu sûre? Oui. Ngone, allons-y vite. Attends d'abord. Hein. Sois sûre de ce que tu oui. dis. Oui. Hein. D'accord, allons-y vite. Allons-y vite. Alors, vous pensez, vous deux, que vous pouvez prendre refuge dans mon royaume? Et Zemon aura décidé de votre sort quand il viendra. Hey, Igwe, Igwe, s'il vous plaît. Nous ne savions pas que les étrangers sont mal vus ici dans votre village. Dans ce cas, laissez-nous rentrer alors dans notre royaume. Comme ça, nous allons rapporter à notre Igwe ce que vous nous avez fait ici. Peux-tu fermer ta bouche, femme? Tu ne peux pas parler quand tu n'es pas permise à faire ainsi. Sa Majesté, sont-ils ces étrangers qui ont envahi notre royaume? Oui, Ezemo. Décide déjà de leur sort. Papa, je vois la vérité dans leurs yeux. Elles seront interrogées, le scellé vivre. Vous êtes roi. Mon fils, cette décision, je ne peux pas la prendre seule. Je ne veux pas c'est que je mette les dieux en colère. Sa Majesté, les dieux ont déjà pris une décision sur eux. C'est un message venant des dieux. Ezemo, tu mens. Tu es un menteur. Tu parles de mensonges partout. Tu propages des bêtises partout. Ezemo, toi et moi, savons que les dieux, ils ne l'ont jamais dit au roi. Oui, même celui qui était tué avant, les dieux, ils ne l'ont jamais dit. Tu mens. Mon fils, contrôle ce que tu dis. N'oublie pas que c'est à Ezemo de ce royaume que tu parles. Nkem, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Mais pourquoi veux-tu désobéir aux lois de la terre C'est notre loi. Tu la fermes. Attention avec ce que tu dis. Qui t'a appelé ici? Quitte-la. Folle, votre majesté. Ces deux doivent être amenés au cachot. Pour bien éviter les risques, personne ne va au cachot. Tu penses que c'est ça la solution? Oh non, de les amener au cachot. Vos voisins ne peuvent pas trouver un refuge chez vous. Sa Majesté, c'est moi qui suis les Ezemo. Et je suis le canal par lequel le Dieu passe. Demain, lors du lever du soleil, ce sera le moment, comme je l'ai dit.
Ogé. Oui. Tu avais dit que tu as quelque chose que tu voulais me parler. C'est quoi? Oui, papa. Papa, pourquoi est-ce que les étrangers ne vivent pas dans ce village? Je ne sais pas si je me trompe. Pourquoi est-ce que cela s'est fait ainsi? C'est terrible. Onowu et les grands prêtres, ce sont eux qui sont à la base. Oui, ils ont déjà eu les Igwe. Tout ce qu'ils disent, ils en croient. Hey! Hey! As-tu déjà oublié la manière dont tu as tué ta maman et tu fais semblant? Ils m'avaient interdit d'aller au palais parce que j'ai toujours dit la vérité. Oui, c'est ce qui se passe. Papa, ça c'est très mauvais. C'est vraiment très très mauvais, papa. Vraiment, il faut faire attention avec cette fille. Ton association avec cette fille. Parce que je ne veux pas des problèmes. Papa, je te jure que c'est très mauvais ça. C'est vraiment très mauvais, hein. Pardon, donne-moi à manger. D'accord. Garde. Sa Majesté, mon prince. Amène-les au dortoir. Mettez-les à l'aise et rassurez-vous que cet endroit soit propre. Donne-leur tout ce qu'elles veulent. À manger, de l'eau, tout ce qu'elles veulent. Mets-les à l'aise. C'est un ordre venant du roi. Fais-les maintenant. Oui, mon prince. Oma, qui est dans cette maison? Qui est-ce? C'est moi la princesse, c'est la princesse. Oui, maman. Oh, ma princesse. Oma, comment vas-tu? Ah, ma princesse. Je veux bien. Qu'est-ce qui vous a emmené chez nous? Le prince, mon frère, m'a envoyé de vous donner cette nourriture, toi et maman. Ah! Le prince l'a fait. Oh! Merci, ma princesse. Où est maman? Elle est en train de dormir. Mes compliments à elle si elle se réveille. Merci, ma princesse. Oh, de rien. Merci. Ça va. N'oublie pas de saluer maman. Hein? Prenez soin de vous. Merci, ma princesse. Merci. Maman? Maman? Ça, c'est vraiment une bonne sauce. Maman? Non, mais attends. C'est vraiment très bon cette sauce. Envie d'en manger tout le jour. C'est vrai ça? Oui. Tu l'as vraiment apprécié? Ben, je te dis, si c'était manger ça matin, midi, soir, je te dis, j'allais être d'accord. Mais oui, je te dis, c'est très bon. Mangeons. Attention, il y a une viande là. Est-ce que vous voulez? Juste à côté là. C'est vraiment bon. Je t'assure. Maman, franchement, j'aime ça. Une telle nourriture. Tu ne peux qu'elle apprécier. Que tu le veuilles ou non. Non, c'est un méchant. Il est très méchant. Et c'est pour le roi de ce village. Avec sa méchante fille qui court derrière lui. C'est une gentille fille. Qu'est-ce que tu dis? C'était pas gentil, maman. Arrête ça. Elle est méchante, identique à son père. C'est vrai ça. Je t'ai dit. Et puis, apparemment, elle fait que le prince tire son attention. Tire-le. Le prince ne regarde même pas. Franchement, je t'ai dit. Igwe, le caméléon avait dit la raison.
la raison pour laquelle il a multiples couleurs. C'est parce qu'il ne veut pas qu'une autre couleur soit ajoutée. Igwe, nous sommes tous deux dans cette affaire. Ceci est une tradition que nous avons héritée de nos grands-parents. Celle-ci est notre tradition. Igwe, pourquoi tu veux être comme... Qu'est-ce que tu veux dire? Parle bien. Oh non, comme les caméléons. Parle bien. Je ne te blâme pas. Parce que c'est moi qui t'ai donné cette audace. C'est la raison pour laquelle tu viens de me parler de la manière dont tu veux. En tant que Igwe de ces royaumes, personne ne peut tuer un étranger. Et tant que Igwe de ces royaumes, je te l'ai dit que personne ne peut tuer un étranger. Je parlais. Vaut mieux reculer avant de sauter. Celle qui va chercher de l'eau et qui fait du bois du feu a pu faire venir les lézards. Lors de la fête, un seul mot suffit pour que le sage comprenne. Ceci est un avertissement venant des dieux Igwe. Tous ces étrangers doivent être tués. Ils doivent être tués ou bien soyons prêts d'affronter la colère de Dieu. As-tu fini, Ezemo? Personne ne peut tuer un étranger encore. Le roi commet une grosse erreur. Ijele. Papa, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'as pas l'air très bon. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Comment je peux être content? Quand ces petits rats, il interdit de ne pas tuer les étrangers. Qui? Le prince? Oh, mais qu'est-ce qui ne va pas avec ce garçon? Qu'est-ce qui ne va pas avec lui? Hein? Je ne comprends pas, oh! Attends. Que ce ne soit pas qu'il est en train de prendre la part de ces étrangers. Attends, papa. Penses-tu qu'il le fait parce qu'il a une autre motivation? Je ne sais pas. Mais ce qui est possible dans cette maison. Juste à propos de quelque chose qui est possible dans cette maison. Son père l'a essayé. Son père l'a essayé, mais il s'est sauvé de la vie. Mais ces petits rats, laisse-les essayer. Laisse-les essayer. Qu'ils le fassent. Ils ne voient pas seulement perdre le trône, mais également aussi sa vie. Mais ce garçon ne se comporte pas bien. Qu'est-ce qui ne va pas avec lui? Qu'est-ce qu'il y a? Papa, attends. La question est que, qu'est-ce que nous allons faire? C'est vraiment grave. C'est vraiment hors de la limite. Igwe, le seul Igwe, il a abandonné les dieux. Celui que tout le monde dans ce royaume sert. Oh non. Tu sais, c'est plus facile d'essayer de voler aux humains que d'essayer de voler aux dieux. Parce qu'il n'y aura pas une place pour se cacher pour une telle personne. Je vais lui montrer... Pourquoi est-ce que je suis appelé la bouche de Dieu? Tu vas les faire comment? Nous, je vais savoir comment tu vas les faire. Je ne sais pas qu'est-ce que cette fille est allée chercher au marché à cette heure. Mais juste ici, tout près, elle met trop du temps comme ça. Oh, je ne sais pas.
Non. Eh ouais. Hey, le prince. Je te salue. Je vous salue. Non, 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 ne te dérange pas. Ne te dérange pas, ça va. Ça va. Vous n'allez pas vous. Non, 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 ça va. S'il vous plaît. Essayez de vous asseoir. Je passe alors, je vais décider de venir savoir à propos de votre santé. Mais mettez-vous, non. Ne te dérange pas, c'est bien, c'est bien. Je suis bien. Ne te dérange pas. Merci, mon prince. Sinon, nous allons bien. Merci. Maman, où est Oma? Oma! Oma! Oh. Maman! Viens, oh. Nous avons de la visite. Merci. Elle va bien. Oh. Maman, comment vous trouvez l'endroit? Oui, c'est pas mal en tout cas. Nous mon aimons. Prince! Oma! Oma, comment ça va? Je vais bien, mon prince. C'est bien. Elle va oui. bien. Je peux voir que tu es bien. J'ai décidé de venir vous voir. Je vois que vous êtes bien portante. Nous allons très bien. Merci beaucoup. Oui, maman. C'est bien, ok? Je compte partir maintenant. Oh. Oui. Trop vite comme ça. Mettez-vous. Mon prince, j'ai la soupe dégoussie à l'intérieur. Vous allez aimer. Oui. Oui, j'en ai juste là. Ne vous en faites pas, ne vous dérangez pas. Peut-être quand je viendrai la prochaine, je m'asseyerai. Et bien que vous avez ça serait vraiment une bonne chose. Maman, je merci. Vous verrai. Merci, mon prince. Merci, mon prince. C'est bien. Attention, allez. Viens. T'es arrivée? Maman, et... mets-toi. Mets-toi. Assieds-toi. Assieds-toi comme une fille. Assieds-toi comme une fille. Oh, maman. C'est quoi ça? Arrêtez, c'est quoi avec vous? Qu'est-ce qu'il a fait pour que vous les tabassiez en désordre comme ça? Que se passe-t-il? Mon prince, ce garçon, c'est un voleur. Nous l'avons attrapé volé dans les champs de nos houes. Oui, oui. Quoi? Jeune homme, c'est vrai? Mon prince, ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas la vérité. Ono était venu lorsque je travaillais dans la ferme. Et pendant que j'étais en train de travailler, Ono avait commencé à crier « voleur, voleur ». Et avant que vous le sachiez, tous les jeunes qu'on avait pu réunir avaient commencé à me frapper. Et d'ailleurs même, Ono les avait ordonné de me tuer. Quoi? Qui est Ono pour donner un tel ordre dans cette terre? Tant que le roi est encore en vie. Mon prince, selon la tradition de cette terre, tout celui que l'on attrape volé doit être tué. Et c'est exactement ce que nous faisons. Oui, oui, nous allons le tuer. Ça suffit, ça suffit, ça suffit. Vous ne pouvez pas exécuter ce que dit la loi. Je vais prendre ces cas à partir d'ici. Je vais moi-même m'impliquer. Je vais faire les investigations aussi. Je vous reviendrai après. C'est alors qu'il va subir ses punitions de ma part. Garde. Oui, Sa Majesté. Prenez-le. Vous autres, rentrez chez vous. D'accord, mon prince. D'accord, mon prince. Tu as de la chance, tu allais vraiment mourir aujourd'hui. Y compris vous deux. Vous aussi. S'il te plaît, allons-y. Même toi, même moi. Mon prince, écoutez, je connais son défunt père. Ono est en train de le combattre parce que son défunt père avait refusé de le vendre sa toute petite portion de terre. Et c'est pourquoi il menace de tuer ses garçons.
Ok, merci beaucoup pour l'information, j'ai apprécié. Mon prince, vous n'avez pas besoin de me remercier. Je suis celui qui doit vous remercier. Mon prince, laisse que le Dieu continue toujours à te bénir. Laisse que le Dieu continue à te faire croître et qu'il te protège dans ses royaumes. Je t'en prie. Hein? Merci, mon prince. Merci beaucoup. Garde. Oui, mon prince. Leslie. Hey, notre prince est tellement bon. Écoute, notre prince, toi, remercie ton Dieu, je suis venu de la vérité. Si ce n'était pas pour moi, tu serais déjà une personne morte en ce moment. Allez, va là-bas, va faire ce que je t'ai demandé. Alors, vous avez dit que le prince vous a interdit d'exécuter mon ordre. Oui, oui ou non. Et qui est le prince? Qui est-il? Hein? Ok, parce que son père, c'est un Igwe. C'est pourquoi il a la force venant de son père Igwe. Qui est le prince? Les garçons ont mâché ce qu'il ne peut pas avaler. Oui. Je lui montrerai. Je lui montrerai que je suis le Onowu Gonabo de ces royaumes. Oui. Et vous rentrez vers moi pour me dire que le prince vous a interdit d'exécuter mon ordre. Alors allez-vous-en d'ici, allez-vous-en. Partez. Merci Onowu. Les idiots, les crapauds, les princes nous a interdit d'exécuter ton ordre. Pourquoi vous ne l'avez pas tué avant que le prince arrive? Vous venez me le dire ici, vous croyez que après ça, je vais vous donner de l'argent? Hein? Inutile. Venez prendre de l'argent. Onowu, mon fils ne peut pas s'interférer à ton ordre sans raison. Igwe, quelle que soit la raison, quelle que soit vraiment la raison, ton fils n'a pas droit, peu importe, d'interdire mes ordres. Igwe, je suis le Onowu de ce royaume. Non juste le Onowu, Igwe, le Onowu de cette terre. Alors, il n'a pas les droits, peu importe. Il ne peut pas s'interférer à mes ordres. Onowu, ne me pousse pas. Onowu, ne me pousse pas à te rappeler tes limites. Onowu, tu n'as pas le pouvoir de donner les ordres dans ces royaumes pendant que le roi est encore en vie. Je suis le roi. Et toi, étant Onowu, ça doit premièrement venir de moi. Que ce genre de bêtises ne se répète plus dans ces royaumes. C'est compris? Est-ce que tu es d'accord avec moi? Disparais de mes yeux. J'ai été humilié, insulté, devant tous ces pauvres esclaves. Peux-tu l'imaginer? Hein? Il dit, les, sois calme. Calme-toi. Je dois me calmer? Sois calme. Surtout, ne te fâche pas. N'ose pas te fâcher. Je reprends. N'ose pas te fâcher. Allons au sanctuaire faire quelque chose. En tout cas, je crois qu'il est allé au-delà de ses limites. Je non. Lui ferai souffrir. Idjele, calme-toi. Je calme lui toi. Ferai souffrir. Idjele, j'ai dit calme-toi. Je veux me rassurer qu'il souffre. Il verra ce qui va lui arriver. Il ne pouvait pas en arriver là. Je te l'interdis. Ne te fâche surtout pas. N'ose pas, je t'en supplie. Hein? Idjele, dirigeons-nous au sanctuaire et faire la méditation. À propos de ces problèmes. Pardon, je t'en supplie. Hein?
Il faut le faire. Mon fils, où est ce jeune homme que Ono avait dit que tu avais interrompu son exécution et le déplacé? Père, Ono voit plus loin que ses limites. Il perd ses contrôles. Qui est Ono pour donner un tel ordre pendant que vous êtes en vie? Papa, Ono a dépassé les limites. Il a même ordonné de tuer ces jeunes hommes, tout simplement parce qu'il avait refusé de lui vendre la terre de son père. Vous devez vraiment parler à Ono. Qui te l'avait dit? J'ai fait mes investigations et tout le monde a dit la même chose. Si je le savais, cet homme mange ce qu'il ne peut pas avaler. Père, c'est bien de lui parler. C'est mieux de le faire. Son silence veut dire une seule chose. Ils sont du côté du prince. Et qu'est-ce que tu attendais, dis-moi? Il est le roi et il devait normalement être de son côté. Qui a peur? Écoute, on doit faire quelque chose. Il faut penser quand tu veux parler du roi, il faut vraiment penser parce que ce n'est pas bien. Regardez-moi celle-là, qui craint? Est-ce que moi j'ai peur? Écoute, laisse-moi te dire, je n'ai pas peur de sa position. Tcha-tcha, non, je ne le suis pas. Il n'écoute plus son peuple. Et tu veux que moi j'aie peur? Pourquoi même? Ça n'arrivera pas. Ce n'est pas pour ça que tu dois parler en mal contre le roi, hein? Ce n'est pas bien. Allons-y. Et tu vois cet Oma et sa mère? Moi, dans ce village, je vais leur montrer du show. Ils ne me connaissent pas. Qu'est-ce qu'il y a? Comme le roi refuse de prendre ses responsabilités en main, moi je vais leur montrer de quoi je suis capable dans ce village. Mais regarde, écoute ce que je t'ai dit, hein? Tu me mets dans des troubles, Léo. Je n'ai jamais été insulté. Je n'ai jamais été méprisé de cette façon dans ma vie. Jamais. Oh non, calme-toi. Quand il faut trouver solution de problème, il faut réfléchir. Calme-toi. Ijele. Ijele. Maintenant, Igwe fait confiance à la décision du prince, de plus que même celle d'Onowu. Non seulement les Onowu Ognabo de ces royaumes. Igwe n'a plus encore le respect de mes opinions. On fait plus confiance à ce qui nous appartient. Malgré tout ça, je sais que j'ai le pouvoir et que je suis capable de faire tout ce qui peut changer. Tu sais ce que je suis capable de faire? Je sais. Nous avons parcouru un long chemin. Calme-toi. Je sais quoi faire. Et tout même. Maman, es-tu fatiguée? Non, je ne peux pas me fatiguer comme ça. Allez, fais vite, fais-les vite. Hein? Tu les fais tout doucement comme ça. Tu peux même pas faire 5 minutes. Maman, je suis fatiguée. Oh. Fais-les vite. Hein? Nous devons les finir aujourd'hui. Ok. Nous devons finir avec ça cette nuit, hein? Ok, maman. Donne-moi encore un là-bas. La nouvelle a répandu partout au village que personne ne peut s'associer de vous ou encore vous acheter quelque chose. Mais qui peut donner ce genre d'ordre? Qui encore? Onowu, bien sûr. Encore Onowu? Oui. Est-ce que Igwe est au courant de ça? Non. Igwe, c'est une bonne personne.
Il est l'unique personne qui est en train de faire ses investigations. Il a refusé à ce qu'on vous amène à un long voyage parce qu'il ne voulait pas qu'un mal vous arrive. C'est pourquoi il avait envoyé son fils pour venir vous sauver. Donc c'est un peu ça. Non! Pourquoi on nous fait ça? Pourquoi il fait ça à moi et ma mère? Je ne sais pas. Pourquoi? Ne t'inquiète pas, tout ceci passera. Ne t'inquiète pas surtout, arrête de pleurer. Je t'en supplie, s'il te plaît. Merci énormément. Que Dieu te bénisse. Tu es mon ami, rien ne t'arrivera. Hein? Ça va aller. Allez, recule là-bas. Pas ici. S'il te plaît. Pas ici. Tu n'entends pas ce que je te dis? Madame, s'il te plaît. J'ai besoin d'acheter le... Non. Allez, quitte-la. Quitte-la, pas ici. Ne viens pas ici, je dis. N'approche pas, s'il te plaît. Quitte-la, non? Vas-y, quitte ici. S'il vous plaît, aidez-moi. Je dis vas-y, quitte ici, vas-y. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui n'est pas là? Allez, quitte ici. Ici. Quitte ici. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Quitte ici, on n'a pas besoin de toi. Quitte ici, on ne te dit pas. Bonjour. Quoi? Je veux ça. Allez, quitte ici. C'est quoi ça avec toi? Quitte ici. Vas-y. Hé, quitte ici.
quoi? T'es encore revenu? S'il te plaît, quitte-la, vas-y. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il te plaît. Désolée. Allez, quitte-la. Je vous en prie. Désolée. Attends, tu vas voir ce que je vais te faire maintenant. Attends, reste là, attends. Tu verras ce que je vais te faire. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? J'ai dit de quitter là et tu restes toujours là. Qu'est-ce qui ne va pas? Comment est-ce que je veux dire à maman qu'elles ont refusé de vendre pour moi? Qu'est-ce qu'on va manger cette nuit? Ah, Oma. Ok. Pourquoi pleures-tu? Pourquoi tu es ici? Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui t'arrive? J'étais partie au marché acheter les condiments, mais elles ont refusé de vendre pour moi. Je l'ai compris. Ces gens sont méchants. Ces gens sont méchants. Hey! C'est de cette façon qu'ils avaient quitté mon père. De toutes les façons. Omar, donne-moi ce que je vais acheter pour toi. Tu vas m'aider? C'est de cette façon qu'ils avaient quitté mon père. J'étais en train de réfléchir à ce que j'allais dire à maman parce qu'elle attendait les condiments. Ne t'inquiète pas. Sois calme, je vais t'aider. Hein? Tu te manges de ça. Ok, t'es de retour? Oui, je suis de retour. Tu as acheté? Oui, j'ai acheté. Ok, merci beaucoup, ma soeur, merci. Je veux plus que tu pleures encore, ok? Pour tout ce que tu auras besoin, je vais te dire. Merci énormément, merci. Salut maman et ma femme. D'accord, bye. Bye. Hé, hey, vous là, sortez ici. Où est-ce que vous vous cachez? C'est imbécile. Où sont-elles? Est-ce que vous êtes? Où sont-elles ces criminels? Les rats, sortez d'ici. Quoi. Où sont-elles ces criminels? Hein? Fais-les sortir. Où sont-elles? Femme méchante. Hé, hey, espèce de folle. Sortez d'ici. Où sont-elles? Sortez. Où sont-elles? Dépêchez-vous. Sortez ici. Vite. Sortez. Dehors. Y a-t-il un problème? Qu'est-ce que tu continues à faire ici? Oh non. Qu'est-ce que je fais? Vous allez quitter ces royaumes. Vous avez que 2 heures de quitter ces royaumes. Mais écoutez. Laissez-moi. Quittez ce royaume et partez. Pas toi là, hein? Je vais te tuer avec mes propres mains. Ces royaumes. Tu vas voir. Je vais vous tuer. Tu es venu voler mon homme. Je ne m'en pas honte. Tu es venu voler mon homme. Ta fille a utilisé sa sorcellerie et a envoûté les princes. C'est pas vrai. La ferme. C'est pas vrai. La ferme. Ça va honte. Écoutez-moi, je vous avertis. Je vous donne que 2 heures.
juste des heures. Pardon, pardon. Quittez ici, sinon. Sinon. Excuse-moi. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Pourquoi êtes-vous à genoux? Mon prince. Pourquoi ne peuvent pas être à genoux? Elles le doivent. Pourquoi ne peuvent pas-elles se mettre à genoux devant les Onou de ce village? Je me demande. Onou, pourquoi tu dois humilier cette femme et sa fille? Onou, pourquoi faire de telles choses? Pour ton information, je ne veux plus encore te voir autour de cette maison. Alors quitte cet endroit, Onou. Tu es un petit garçon. Bien. Très petit garçon. Tu t'entêtes parce que ton père, c'est un Igwe. Tu commences à jouir de l'autorité des Igwe. Laisse-moi te dire, tu n'as rien dans ce royaume. Tu as été entraîné dans les bureaux des Igwe. Onou, je ne te laisserai plus humilier cette femme encore. Je ne peux plus te le permettre encore. Onou, quitte cet endroit avant que je te montre ma couleur. Ça, c'est un jeu qu'un petit rat peut faire. Je suis celui qui est à la prochaine lignée de cette royauté. Onou, quitte cet endroit maintenant avant que je te montre ma couleur. Je vous ai dit. Papa, allons-y. Je vous ai dit. Deux heures. Et toi, je te montrerai le je reviendrai. Pardon. Qu'est-ce qu'il y a? Je reviendrai. Qu'est-ce qu'il y a avec moi? Je reviendrai. Quoi? Tiens, quoi? Tu ne vas rien me faire. Partons. Tu ne feras rien. Partons. Oh. Allez-vous-en. Qu'est-ce qu'il y a? Allons-y, papa. Tu prends l'épée. Tu sors l'épée pour me faire du mal, moi étant Onou. Hein? Ok. Nous verrons. Papa, allons-y. Nous vois, verrons. Toi. On n'a pas peur de toi, oh. Je écoute-moi bien. Partons. On n'a pas peur de toi. Ne peux rien n'importe quoi, insensé que tu es. Espèce du prince. Quitte-la. Non, nous ne pouvons pas quitter ici. On je leur partira donne pas. Deux heures. Oh, Onou. Oh, Onou. Oh, non, non, laisse-le. Laisse-moi, papa. Et laisse-moi, toi, papa. Laisse-le. Quitte-la. C'est quoi ça? Papa, allons-y. Papa, allons-y. Deux heures. Ne le suis pas. Des heures. Allons-y. Tu vas voir, toi. Tu vas voir. Qui a peur de toi? N'importe quoi. Qui a peur de nous toi? Nous partons. Tu t'es pas on pour pas ne de pas toi, te oh. mettre en garde mais, oh, parce que tu es voir. Le fils de Igwe. Tu vas parce voir. Parce que tu es le fils de Igwe. Papa. Qui a peur allons-y. De toi? Hey. Tu t'es prends pour qui? Partons, ma chérie. N'importe quoi. Partons. On n'a pas pris fuite. Inutile. Stupide que vous êtes. N'importe quoi. Avions-nous une autre place à partir de ce royaume? Est-ce que nous avons même de la valeur devant toutes ces personnes? Laisse-les tranquilles. Laissez-moi vivre avec maman, ma fille, s'il vous plaît. Garde, dis à Igwe que je suis déjà là. Onou, le Igwe n'a pas besoin de voir quelqu'un. Igwe ne veut pas recevoir quelqu'un. Oui. Est-ce que Igwe est malade? Est-ce que Igwe a un problème? Tu les as écoutés? Tu as écouté ce qu'ils ont dit? Oui, je les ai écoutés. Je les ai ordonnés de ne pas permettre à quelqu'un de voir Igwe. Ok, les Igwe se reposent. Mais tu devrais me le dire que Igwe se repose. Mais c'est parce que j'ai vu Obwana, l'herboriste, tu vois. Et c'est lui, Obwana était venu me voir. Oui, Obwana était venu me voir. Alors tu peux partir d'ici. Oui, je t'ai dit de partir d'ici. Igwe se repose. Hein? Igwe n'est pas malade, n'est-ce pas? Ok, ça va. Je suis rentré. Quoi? Tu n'as pas été hier? Ce n'est même pas tout ça, dit. Tu as quand même retrouvé ta lotion? Oui, bien sûr que si. Je n'ai pas marché. En tout cas, franchement, toi. Ça me fait vraiment... Je n'aime pas. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi, oui? Je ne parle pas. Qu'est-ce qu'il y a? Ta bouche est toujours fermée. Non, c'est rien, ça va. Oh. Vraiment. Qu'est-ce qu'il y a? Tioma, quelqu'un peut m'aider? Quelqu'un peut m'aider ici? Tioma, qu'est-ce qu'il y a? Tioma, aidez-moi s'il vous plaît! Aidez-moi! Tioma, aidez-moi! Aidez-moi! Tioma, mon Dieu, il n'y a personne ici! Tioma, aidez-moi! Aidez-moi!
vous plaît, aidez-moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe ici? Hein? Je ne sais pas. Hey! Non, pas encore. Plus jamais. Ça, ça devient très grave. Je sais que cette fille en est le responsable. Je le sais très bien. Non, 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 Joma. Ah, s'il te plaît, ne me fais pas ça. Ah, ah, elle est morte. Et c'est cette fille qui en est les responsables. Je le sais très bien. Ah. Il n'y a pas beaucoup de temps à perdre ici. Nous devons amener les corps chez le grand prêtre immédiatement. Emmenez-la ailleurs, enlevez-la ici. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Elle doit payer pour ceci. Elle doit vraiment payer. Non. Mais qu'est-ce qui se passe? Un autre problème? Je dois aller au palais immédiatement. Mais qu'est-ce qu'il y a? Ok, je ne l'ai pas fait. Crois-moi. Je suis innocente. Je n'ai pas fait je ça. Sais, hein? Je sais, je te crois. C'est ce que tu dois faire maintenant. Et de rentrer à la maison. Rentre vite. Ne dis rien à personne. Oh. Voilà maintenant que le premier va commencer. Votre Majesté. C'est le roi qui protège son peuple. Et non le peuple qui protège le roi. Igwe. Il y a eu la mort. La mort de ton peuple. Et beaucoup de gens mourront. Plusieurs personnes définitivement mourront. Si Sa Majesté ne fait pas le nécessaire. C'est le moment de faire le nécessaire, Votre Majesté. Si ces deux étrangers, selon notre coutume et notre tradition. Oh non. C'est très clair que notre Igwe fait plus attention à ses étrangers et non à ses sujets. Notre peuple a dit, c'est là dont le Dieu veut le tuer. Il faudrait premièrement les déplacer du royaume. Igwe, je le dis comme un plaidoyer. Accorde tes oreilles aux pleurs de tes sujets. C'est tout ce que je peux parler de la part de Dieu. Oh non, je m'en vais. Je m'en vais. Je m'en vais. Igwe, pourquoi méfiez-vous de la tradition de notre terre? Si vous pratiquez ce que dit la tradition de notre terre, notre peuple ne va plus mourir. Onine, viens ici. Allez, tiens-toi là. Approche-toi ici vite. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi elle a sauté ici, hein? Désolée, ma princesse, je préparais à l'intérieur. Tu préparais? Maintenant, avant que je ne ferme mes yeux et que je ne les ouvre, que ce soit les doigts propres. Appelle quelqu'un pour le nettoyer vite. Je ne veux plus voir ça. N'importe quoi. Sérieusement, je te dis, il y a certaines choses qui me font rire. Ah, je te dis, c'est pas sérieux de foi. Franchement, je te dis. Même pas, maman, je ne te crois pas. Je ne te crois pas. Idioma, 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 hey, Idioma, 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 Idioma. Idioma, 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 quelqu'un peut m'aider. Idioma, Idioma, quelqu'un peut m'aider, oh papa. Quelqu'un peut m'aider. Idioma, Idioma, papa, papa.
Papa! 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 Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Où est ta sœur? Quoi? Qu'est-ce qui est arrivé à ta sœur? Où est-elle? Où est ta sœur? Papa, je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Ijoma. Ijoma. Oh. Hey, mon Dieu. Ijoma. Ijoma. Hey, Ijoma, ma fille. Papa. Papa, fais quelque chose. Oh. Papa, fais quelque chose, papa. Hey, Ijoma, ma fille. Hey, papa. Ma fille, Ijoma. Papa, fais quelque chose. Ijoma, s'il te plaît, réveille-toi. Réveille-toi, s'il te plaît. Oné, s'il te plaît, calme-toi. En tout cas, c'est vraiment une situation très horrible. Accepte mes condoléances. Je laisse tout entre les mains des dieux. Bonjour à tous. Bienvenue. Ne t'inquiète pas, tu es la bienvenue. Viens t'asseoir ici. Nai, je suis venue sympathiser avec vous, la famille, et aussi vous dire que moi et ma mère sommes innocentes dans ce que les gens nous accusent. Nous sommes innocentes. Nous savons que toi et ta mère êtes des innocentes. Ne t'inquiète pas. Nous savons ceux qui sont derrière le mal qui s'est produit dans notre village. Comment va ta mère? Elle allait venir avec moi, mais elle ne se sent pas bien. Oye, Oma. Allons-y là-bas, allons-y. Votre Majesté! Votre Majesté! Ah. Je vais le voir. Le roi n'a besoin de voir personne. Je dis j'ai besoin de voir le roi. Tu dis que le roi n'a pas besoin de voir quelqu'un. Quel ordre! Écoute, moi au parc, je ne suis pas content. Je ne suis pas content du tout. Je ne suis pas content car nos jeunes meurent. Nos jeunes filles meurent et le roi ne dit rien. Alors, vas-y là-bas et dis au roi que moi, Obaka, je suis là pour le voir. Obaka, tu es en train de faire de bruit. J'ai fait les bruits. Hey, roi, sortez à l'extérieur, oh. Obaka, calme-toi. Écoute, si je ne vois pas le roi, je n'irai nulle part. S'il te plaît, c'est de te calmer. Attends que j'aille l'appeler. Mam, allez-y. Ah ah. Va appeler le roi. Fais vite, oh. Dis-lui que je suis ici. Tu me regardes pourquoi? Tout le monde meurt. Les jeunes meurent. Hein? Le roi est dans ce royaume et il ne dit rien. C'est pourquoi je suis venu le voir. Appelle le roi, appelle-le. Obaka, le roi est en train de se reposer. Il a demandé que je te donne ceci. Et le roi m'a donné cet argent. Pour mon vin. Hey, voilà pourquoi j'aime le roi. Ok, ok. Le roi est vraiment bon. Mais dis le roi que je suis rentré. Parce que je ne suis pas content. Mais cet argent. Hey! 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 Ogé, comment te sens-tu maintenant? Comme nos anciens le disent, il n'y a qu'une mouche têtue qui suit le cadavre jusque dans la tombe. On t'avait prévenu. Mais tu ne voulais pas écouter. Et maintenant, ta sœur vient de mourir. C'est un avertissement pour toi. Mais non pour la mort de ta sœur. Qui en est le responsable? Ta meilleure amie, Oma, n'est-ce pas? N'ai-je pas raison?
si tu n'écoutes pas nos avertissements, toi ou ton père sera la prochaine. En effet, elle va même laver toute votre génération dans son entièreté. Hein? Regardez celle que je vais aider. C'est un problème. Vous allez souffrir. Toute votre génération sera tuée. Vous allez souffrir. C'est votre problème. Holy Spirit, be my comforter. Holy Spirit, take control. As we are walking along the road, the road seems so narrow. Holy Spirit, lead us through. Nemo, Nemo, I can't eat the panacea. I can't eat the altar. Pourquoi on t'accuse toujours? Qu'est-ce que tu as maman, fait? Maman, maman, Rita, pourquoi peux-tu dire ça, maman? Tu sais bien que nous sommes des innocentes. Arrête de faire ça. Arrête comment de je faire fais ça. Arrêter. Il y a sûrement quelqu'un qui nous fait ce genre de choses. Il doit y avoir quelqu'un. Mais pourquoi c'est toujours oh, ma... accusé? Oh, ma raison. Elle dit la vérité. Je crois qu'il y a certaines personnes qui font ceci en collaboration avec le roi. Je soupçonne le membre du cabinet de Igwe. Mais ils m'ont toujours écarté à la plupart des décisions. Parce que j'ai l'air toujours dit la vérité. Hey. Onohu et les grands prêtres, ils sont problématiques. Ce sont des problèmes que nous avons dans ce village. Oma, rien ne vous arrivera. Rien ne vous arrivera. Igwe et le prince sont de votre côté. Il n'y a rien et rien qui diront qui mettra les princes et les Igwe hors de vous. Ne vous inquiétez pas, arrêtez de pleurer. Arrêtez, maman, si arrêtez de pleurer. Arrêtez, ne vous inquiétez pas, tout ira mieux, arrêtez de pleurer. Oui, arrêtez, s'il vous plaît. Vous connaissez bien vous les deux. Nous avons, nous comprenons. Comment je peux tuer quelqu'un? Arrêtez. Comment je ne pleure pas. C'est fini. Il n'a pas tué quelqu'un. Arrêtez de pleurer. Qui peut écouter mes cris? Qui? Désolé, désolé. Éduqué. Hein? Hey! Je suis fatigué, oh. À propos de toutes ces choses, je ne sais pas si tu comprends. Hein? Je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce que c'est une surprise pour toi? Hein? Parce que jusque maintenant, les Igwe ne font rien pour le respect de ces problèmes qui se passent. Hein? Ça peut être possible, cette fille, Ola, elle aurait envoûté les Igwe. Moi, je crois fermement qu'il peut y avoir quelque chose qui se cache derrière tout ça. Parce que je ne peux pas comprendre pourquoi est-ce que le Igwe peut garder silence jusque maintenant. La maladie et la mort sont en train de ravager la terre. Dis-moi, si quelque chose n'est pas fait, qui va rester dans cette terre? Nous n'allons pas accepter que cela s'efface. Non. Éduqué, je t'ai déjà dit ça. Je pense, essayez de me donner un ordre. Donnez-moi l'ordre et laissez-moi étrangler cette fille parce que lorsque la main se retourne contre le coude, cela devient une autre chose. Hein? Tu as raison, Ikena. Oublions d'abord à propos de l'ordre. Nous pouvons faire cette chose de nous-mêmes. Nous pouvons l'attraper même lorsque quand elle vient d'épuiser de l'eau. Nous l'amenons en brousse et l'exécuter. Éduqué, en tout cas, tu as raison là-haut. Mais essayons de ne pas prendre la loi entre nos mains. Alors permettons seulement que le dieu de notre terre se batte de leur manière. Hein? Essayons d'éviter la malédiction. Oui, tu as raison encore. Je dois aller maintenant. Peut-être je vais me décider de te voir après. Ne fais pas ça. Allons-y, chez moi, que tu nous en prends du vin de palme. Hein, on va prendre nos dés. Cette fois-ci, c'est toi qui vas acheter. Ne t'inquiète pas, je t'ai toujours donné du vin de palme à tout moment. C'est ton tour d'en acheter. Il ne parle pas assez parce que c'est toi aujourd'hui. Rassure-toi qu'il n'y ait aucune vie qui reste avant que tu n'arrives. Confirme-les qu'ils soient morts. Et quand vous allez finir, si vous confirmez qu'elles sont mortes, je vous rejoignerai à notre endroit d'habitude, pour que vous ayez votre récompense. Oui, Onohu. Nous t'assurons que tu n'as pas les problèmes, Onohu. Nous vous montrerons la preuve.
Je sais de quoi vous êtes capable. Faites vite. Okay, d'accord, Renaud. Faites vite. D'accord. Okay. Il est temps qu'on prenne les choses en main. Ijeli, si tu faisais comme ça, si tu agissais comme ça, on n'aurait pas dû se quitter avec toi. Et je sais qu'ensemble, tous deux, nous allons maintenant être le plus fort de ce royaume. Débrouille-toi une place pour tes maîtres. Je t'assure que ce sera comme ça. Notre temps est venu. Arrêtez-vous là! Si j'étais à votre place, j'allais juste me retourner rentrer à la maison. N'ose pas! Nous sommes ici pour sacrifier votre sang, oh Dieu! Vous! Nous sacrifier? C'est pour sauver la vie des Igwe et seuls des villageois. Alors je t'avertis, fais attention. Oui. Si tu ne veux pas mourir, rentre à la maison. C'est un ordre venant de Nohu. Et vous êtes là en train de me défier. Hein? Vous risquez de mourir. Rentrez à la maison si vous ne voulez pas mourir. Je ne pense pas que vous savez ce que vous faites. Rentrez à la maison. Pas de problème, nous rentrons. Allez-vous-en. Rentrez à la maison. Et ne revenez plus jamais. Rentrez. Les inutiles. Les inutiles. Merci beaucoup. Dalo. Hey. Merci beaucoup. Merci. 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 Qu'est-ce que l'on a fait? Je ne sais pas. Alors, Igwe pense qu'il est plus intelligent. Il veut que toi, tu emmènes un autre voyant dans cette terre. Exactement. Exactement, Djélé. Qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Parce que Igwe attend mon retour. Je veux moi-même régler avec lui. Je veux m'occuper de toute sa famille. Mets fin à leur vie. C'est né. Qu'une mouche têtue qui suit les cadavres jusque dans la tombe. Papa, regarde autour de toi, tu verras qu'il n'y a personne qui est encore avec toi. Les membres du cabinet ont peur de la mort. Je connais que Onohu et Ezemo, ils te mettent de la pression pour leur rendre ces deux étrangères parce qu'ils croient qu'elles sont la cause de la mort dans ces royaumes. Papa, je pense que tu dois faire le nécessaire. Je pense que tu as raison. Je dois faire le nécessaire. Alors, appelle Iko le Grand pour nous dire qu'est-ce qui se passe dans ce royaume ou qui a la même mise de ce qui se passe dans ce royaume. Ah oui, j'ai déjà envoyé d'aller chercher Ikoro le Grand Voyant de venir nous dire qu'est-ce qui se passe dans ce royaume. Je ne comprends rien. Ce n'est qu'une mouche têtue qui se permet à suivre le cadavre jusque dans la tombe. Igo Niema, comme tu as refusé d'entendre, tu entendras par la voix de la mort. Igo Niema. J'ai dit Igo Niema. Aïe, c'est un gueule de talent. Aïe, c'est un gueule de talent. Hein?
On est sur le couloir, mais on a un autre. Papa? Hey. Papa? Qu'est-ce qu'il y a, papa? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Oh. Aide-moi, aide-moi. C'est quoi ce que tu as? Laissez-moi passer. D'où est-ce que tu viens? Où est-ce que tu pars? Je viens de puiser de l'eau. D'où comme ça? De l'endroit où nous puisons de l'eau, non? Ok, tu as toujours ce courage d'aller puiser de l'eau. Tu n'as même pas honte de le dire, hein? Attends, allez! Non, s'il vous plaît, laissez-moi! Donne-moi ça! Sorcière que tu es! Attends-moi, je vais renverser ça, je vais renverser de l'eau. Tu n'auras plus de la fée là-bas. Allez, je te renverse. Non, ne fais pas ça! Ne pas toucher! Imbécile que tu es! Écoute, je te dis, toi et ta mère, méchante, si vous ne quittez pas ce village, tu n'en auras pas! Vous n'aurez pas la paix! C'est quoi ça? Vous n'aurez pas la paix! N'importe quoi! Dis à ta mère méchante de quitter ce village. Pose encore de l'eau, tu vas voir! Pose encore! Espèce d'imbécile que tu es! Sorcière! Tu mérites ce que je t'ai fait. Tu le mérites. Ah, n'importe quoi. Allons-y. Laisse-la. Sorcière. C'est bien fait pour toi. Dis à ta mère méchante de quitter ce village. Là, qu'est-ce qui ne va pas? Oh, pourquoi tu n'es pas joyeuse? Qu'est-ce qui ne va pas? Ok, j'étais partie puiser de l'eau. En mon chemin de retour, j'ai croisé un jeune homme et une jeune fille. Ils ont jeté l'eau que j'avais puisée. C'est mauvais ça. C'est très mauvais. Je n'ai pas aimé ça. Oh là, écoute, ne t'inquiète pas. Tout ira bien. Sois juste forte. Essaie d'être forte. Tout ira bien, ok? Je ne sais pas ce qui arrive à ce peuple, alors je suis désolée, je suis désolée. D'accord, moi j'ai pas, maman m'attend déjà. Hey, je suis désolée. Hey, désolée. C'est très mauvais, c'est vraiment mauvais. Hola, désolée. Oh. Hey. Hey, faut que cette maladie affecte Igwe. Mais personne ne sauve dans ce village. Oh. Même moi qui suis là, Ifoma, je ne suis pas sauf. Ça peut aussi m'arriver aujourd'hui. Oh. Moi également, je ne me sens pas en sécurité dans ce village. Je ne me sens pas en sécurité ici. Je dois aller ailleurs. Moi, je ne peux plus continuer comme ça. Je suis fatiguée. Oh. Je vais chercher comment aller au village de ma mère. Vous savez, tout ce qui se passe ici nous décourage tous d'habiter encore dans ce village. Et Igwe n'arrive à ne rien faire pour sauver même nos vies. Tu as raison. Hey, pardon. Moi, je tu as raison. Je ne vais pas mourir. Comment est-ce qu'on peut souffrir à cause des erreurs de Igwe? Ce n'est pas possible. Moi, je vais fuir. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas juste. Je vais vous protéger parce que je vous dis dans ces villages,
Personne n'est protégé, franchement. Voilà comment cette maladie est arrivée jusqu'à Igwe. Personne n'est épargné. Vous voyez, moi là, je suis arrivée au bout. Assez. Ce village cherche notre mort. Que Dieu nous protège, qu'il nous protège, oh. Parce que sans lui, en tout cas, je ne sais pas. Pour que Igwe dise quelque chose, je veux m'échapper de ça, qu'il agisse, mais il n'a rien dit. C'est pas normal. Ne vous inquiétez pas, suivez-moi. Hey, suivez-moi seulement. Et maintenant, allez vite. Faire. Hé, hey, arrête-toi là. Bonjour. S'il vous plaît, dites au prince que j'ai besoin de le voir. Pourquoi peux-tu le chercher? J'ai envie de voir le prince. S'il te plaît, tu peux rentrer. Il ne veut pas te voir. Prince! S'il vous plaît, laissez-moi passer. C'est très urgent. Tu peux rentrer. Le prince ne veut pas te voir. J'ai dit rentre. Prince! Laissez-moi voir le prince. C'est très urgent. J'ai dit rentre. Le prince ne veut pas te voir. Mon prince! C'est très urgent. Je ne te permets pas d'entrer. J'ai dit que le prince ne veut pas te voir. Mon prince ! Qu'est-ce qui se passe-t-il ? Laissez-moi passer. Qu'est-ce qui se passe-t-il ? Je suis venu vous voir, monsieur. Laisse-la entrer. Bonjour, mon prince. Comment ça va? Je vais bien, mon prince. Et ta mère? Elle va bien. C'est bien. Mon prince. Oui? Je comprends les difficultés dans lesquelles vous traversez. Alors, je désirais vraiment vous voir. Comment va votre père maintenant? Il va bien, sauf... Il est dans une condition critique. Quoi? Oui. Je suis désolée, mon prince. Désolée parce que vous subissez tout ça à cause de moi et ma mère. Nous sommes désolés. Non, 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 non. Toi et ta mère, vous n'avez jamais été la cause de ceci. Ok? Mais je te promets que toute chose ira mieux. Ira mieux encore. Merci, mon prince. Je t'en prie. Comment va ta mère? Elle va bien. Et comment vous réjouissez de l'atmosphère aussi, le village et son peuple? Mon prince, le villageois refuse de collaborer avec nous. Ils nous prennent pour des maudites parce que nous sommes du village du Mweke. C'est difficile pour nous de vivre ici. Quoi? Ils vous considèrent comme maudites? Pourquoi se comportent-ils de cette manière? Pourquoi? Je ne sais pas. C'est fini. Tel que je te l'avais dit avant, je t'ai promis que tout ira mieux. Merci, mon prince. Merci. Je pense que ta mère se porte bien. Oui, elle va bien. Maintenant, tu peux aller. Merci, mon prince. Idile, utilise ton pouvoir. Utilise ton pouvoir et tue-les tous. Hein? Pourquoi tu permets que nous traversons ces moments de stress? Tu sais, il existe des choses qui ne peuvent qu'arriver lorsque nous faisons preuve de patience. Il y a de ces choses que je ne peux pas faire. Les dieux de notre terre seront contre moi. Toute la terre sera contre moi et même mon pouvoir sera contre moi. Igwe est encore sur le trône et je ne peux pas exécuter un tel ordre. Ijele, tu l'es. Igwe va mourir doucement. Il est en train de mourir doucement. Hein? Tout ce que nous devons faire, c'est que nous devons faire preuve de patience. Il va mourir. Tu dois les tuer, tu vois, pour que nous embrassions aussi la royauté. Pourquoi tu retardes les choses? Ijele, essaie un peu de bien réfléchir. Tu es en train de dormir, oh. Le temps n'attend personne. Oh non, c'est ce que tu dois essayer de comprendre. Nous ne pouvons pas essayer d'empresser les choses. Nous devons faire preuve de patience. Tu ne peux pas courir plus vite que ton ombre.
Essaye de le comprendre. À part la patience, nous n'avons pas d'autre choix. Il va mourir. Alors qu'il soit fini, qu'il soit fini. Nous devons aussi. Essaye un peu d'apaiser ton cœur. Ok, si vous voulez. Il va mourir. Il va mourir. Il va mourir au Nou, hein? Ou essaye d'apaiser ton cœur. Chimo, Oma, Maman, nous allons encore porter ceci jusqu'au palais de Igwe. Hey! Igwe serait toujours en vie si il leur permettait de nous tuer. Hey, mon Dieu! Hey! Maman! Hey! Oui? Comment peux-tu dire ça? Je me demande comment est-ce que le prince est dévasté en ce moment-ci. Maman, est-ce que je peux aussi aller là-bas, n'est-ce pas? Non, Oma. Ça peut être dangereux. Tu peux pas aller là-bas toute seule. Non. N'y vois pas seule. Si tu veux y aller, vas-y avec le garde. Oui. Oui. Oui, maman. Vous pensez ainsi? Oui. Elle doit y aller avec les gardes pour la sécurité. Ma chérie, s'il te plaît, ne pars pas toute seule. Tu as compris? Ma chère, tu vois, je vais faire l'enterrement de notre père, l'un des mémorables. Et le peuple de ce royaume connaîtra que Igwe Onyema est irremplaçable. Laissez-nous entrer. Allez, s'il vous plaît. Mais c'est quoi? Je vais voir le prince, non, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui se passe-t-il? Laissez-nous voir le prince, non, s'il vous plaît. Laissez-les entrer. Mon prince. Merci, mon prince. Mes salutations. Je vous en prie. Mon prince, nous avons entendu ce qui est arrivé et nous sommes venus partager la douleur. Oh, merci. Merci beaucoup. Vous voyez? Ce n'était pas de sa faute. Non, non. Il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour vivre, un temps pour réjouir. Vous voyez, il y a la différence de vie. C'est bien. Ok, asseyez-vous. Oh, d'accord. Merci. Oh, merci beaucoup. Allez-y, allez-y, asseyez-vous. Hein? Hey! Umodo! Hey! Umodo! Hey! Venez voir, oh! Quel est ton problème, pardon? Peux-tu dégager d'ici? Umodo! Les grands prêtres doivent l'écouter. Je dis, les grands prêtres doivent l'écouter. Hey! Les gardes vont te chasser. Hey! Hey! Un foutu Ono. Non, 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 non. Mettez-vous, s'il vous plaît. Calmez-vous. Ok. Mettez-vous. Merci.
Pardon, donne-leur de l'eau. Ok. Vous pouvez imaginer comment cet homme criait. Je les croyais devenir fou. Pardon, ne vous inquiétez pas. Soyez à l'aise. Alors, comment allez-vous? Oui, nous allons bien. Nous allons bien, mon prince. Nous avons appris la nouvelle que Igwe était décédé. Voilà pourquoi nous sommes venus. Attends. Oh, Malika. Maman. Quel est ton problème? Hein? Ça fait un temps maintenant que tu es très pensif. Je suis là avec toi. Mais tes pensées sont ailleurs. Pourquoi? Nem. Nem. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. À propos Maman, de quoi? Est-ce un crime de prendre un refuge dans une autre communauté? Que veux-tu dire? À propos de nous? Oui! Particulièrement c'est ça. Notre cas? C'est ce qui t'inquiète? Adam, t'inquiète. Il y a quelque chose que je te dirais particulièrement pour cette communauté. Qu'est-ce que ça peut être? Mais pas maintenant. Lorsqu'il serait temps, je te le dirai. Oh? C'est quand le temps en question? Écoute, sois tranquille, je te le dirai. Maman, cette chose me dérange. Toi, écoute-moi. Crois-moi, je te le dirai. Oh? Je te le dirai. Mon unique enfant, mon seul espoir. Hé, hey, tu n'es que toi. T'inquiète pas. Maman! Ah. Laisse-moi t'apporter de l'eau. Ok, d'accord. Franchement, tu es comme yeah. Hein? Oh. Je ne sais pas ce qui arrive dans ces palais. Comme je ne sais rien. J'en ai vraiment marre. Premièrement, c'était le roi. Et maintenant, c'est la princesse. C'est la princesse. Je m'en fous. Je m'en fous. La princesse avait juste crié mon cœur. Juste comme ça, elle est morte. Je ne sais pas vraiment. Je ne sais pas. Vous êtes lassé, mon pauvre. N'importe quoi. Tiens. Hein? Si tu me dis n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il y a? Toi, le prince a besoin de te voir. Il serait mieux pour toi de partir au lieu de commérer ici. Regardez là. Ce que tu dois comprendre, c'est à cause de ta fille qu'il est encore en vie. Il est supposé mourir avant même son père. Oui, oui. Ijeli, tu parles à propos de quoi? Qu'est-ce que tu parles? Hein? Écoute, je t'ai dit, cet homme doit suivre son père dans la tombe. Oui. Il doit mourir. Oui. Ah, quand cet homme est en vie, je ne suis pas à l'aise. Mais il doit mourir. Hein, papa? Qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Vous voulez tuer mon prince? Donc vous deux planifiez de tuer mon prince, c'est ça? Tu es folle? Qu'est-ce que tu sais à propos de la mort? Tu ne réalises pas que tant que cet homme est en vie, nous sommes en souffrance. Comment? Il m'empêche d'accéder au pouvoir. Tu ne réfléchis pas? Et quand il mourra, alors je deviendrai le prochain Igwe de ce royaume, Sa Majesté. Mm-hmm. Sa Majesté royale. Mm-hmm. Ah, c'est ce que tu ne sais pas. Elle ne sait pas. Hey! Hey! Tu as plus de jeunes, de beaux. Garçons célibataires vont demander ta main en mariage. Hein? Ce que ton père est en train de dire, c'est très bien pour toi. C'est ça. Hé, hey, mais papa, je n'ai jamais pensé à ça. Hé, hey, tu as vraiment raison. Tu sais, lorsque je veux devenir une princesse, ça sera terrible. Hé, hey, là j'aurai différentes façons de m'habiller chaque jour. Si tel est le cas, je suis prête à vous laisser. Prévenir n'est pas du tout un problème. Non, pas du tout. Et c'est pourquoi je suis là. Je suis là pour vous protéger.
protéger votre famille. Oui. Papa, vous pouvez tuer mon prince. Mais garde rien entendu. Garde silence. Tu n'as rien entendu. Contrôle ta bouche. D'accord, ne vous inquiétez pas. Mm-hmm. D'accord. Oui, allez-y. Mais dis-moi un peu, qu'est-ce qui arrive? C'est pas normal. Je ne comprends pas. Oh. Est-ce moi qui lui avais demandé de faire tout ça? Hey, pourquoi tout le monde veut que je puisse souffrir avec lui? Pourquoi? Qu'est-ce qui te rassure qu'il ne va pas guérir de cette maladie? Es-tu ignorante? Hein? Non, c'est comme si tu n'es pas dans ce village. Tout le monde sait que personne ne survit avec cette maladie. Personne. Tout celui qui en souffre meurt. Alors il peut mourir. Nkeshi. Écoute. Attention. Accorde le respect à ce nom. Parce que très bientôt, je deviendrai la princesse de ce royaume. Et en ce moment, je choisirai mon homme. Tu appelles mon nom comme si c'est toi qui me l'avais donné. S'il te plaît, appelle-moi avec respect, oh. Si tu ne m'appelles pas princesse, je vais te faire du mal. D'ailleurs, je dois réfléchir si tu dois toujours être mon ami. Parce que tu souffres à tout moment. Tu tombes malade à tout moment. Je ne comprends pas avec toi. Si tu ne sais pas, écoute, si tu m'appelles encore une Nkechi, t'inquiète. Que fais-tu ici? Je t'ai apporté de l'eau. De l'eau? S'il te plaît, mets ça à l'intérieur. Je veux pas que quelqu'un nous voie, s'il te plaît. Ah, comment tu ne devais pas? Mais je t'ai apporté. Le moment de la guerre est arrivé. Lève-toi et bats-toi. Oh, qu'est-ce qui se passe-t-il ici? C'est vrai? Qu'est-ce qui se passe? Le prince est mort. Ichi, oui. Qu'est-ce qui se passe dans ces palais? Premièrement, le roi, tu vois. Deuxièmement, la princesse. Et maintenant, le prince est mort. Qu'est-ce qui ne va pas dans ces palais? Hé! Hey. Oh! Hé! Hey. Oh! Aucun roi. Tout se passe dans cette communauté. Aucun prince. Hé! Hey. Aucune princesse. Qu'est-ce qui se passe dans cette communauté? Ah ouh. Je suis vraiment confus à propos de tout ce qui arrive dans ces villages. Premièrement, les Igwe. Suivi de la princesse. Maintenant, c'est le prince. Crois-moi, ça, c'est du jamais vu.
papa, ce village n'est pas bien. Hein? Il n'y en a pas, honnêtement. Hey! Il n'y en a pas, ma fille. Où est ta sœur? Elle dort à l'intérieur. Pardon, surveille-la. Je ne comprends plus ce qui se passe dans ce village. Hey! Mazio Keke, je crois que je dois maintenant partir. Je dois maintenant aller avertir mes enfants d'être prudents avec tous leurs mouvements dans ces villages. Oui, c'est ce qui est important. Je te verrai plus tard. Je vous en prie. Bye, bye. Bye. Okay. Et qu'est-ce qui ne va pas? Hey! Je ne comprends pas. C'est vraiment étrange. Qu'est-ce que ce village va devenir? Hey! Alors, c'est très 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 nécessaire que notre royaume devrait avoir un autre Igwe. Vous savez tous ce qui est en train de faire tomber ce royaume. Il n'y a plus de personnes restées dans la famille royale. Et c'est pourquoi, après ma concertation avec les dieux, ils ont décidé que Onowu puisse assumer cette fonction comme étant le Igwe. Il doit s'asseoir sur ses trônes afin que notre royaume arrive à aller de l'avant et ces sacrifices que nous allons faire pour eux puissent être acceptés. Et ce n'est pas une bonne chose que nous essayons de faire de sacrifices et que cela soit rejeté parce que nous n'avons pas de roi. Les rois, oui. Et c'est pourquoi cette réunion a été programmée pour qu'on essaye déjà de planifier comment est-ce qu'on va mettre la couronne sur sa tête. Sur ma tête. Et vous tous allez encore revenir dans vos fonctions. En fait, je ferai à ce que ce poste soit attrayant. Avec la voiture, hein? Aussi, j'augmenterai aussi les salaires. À la fin de chaque mois, 5000 nerfs. Je serai un bon roi. C'est ce que disent les dieux. Ozugo, okay. Ceci est une abomination. Hein? C'est ça. Ça ne s'est jamais fait dans ces royaumes. Ça ne fait pas partie de notre culture. Comment est-ce que tu peux te permettre à placer Ono comme Igwe? Ça ne peut pas se faire. Est-ce que tu peux fermer ta sale bouche là? Il vous a dit ce que les dieux ont dit. Quel dieu? Les dieux. De quel dieu êtes-vous en train de parler? Est-ce de notre tradition? De quelle tradition es-tu en train de parler? Celle que tu connais ou bien celle que je connais? Hein? C'est qui la tradition? Je suis les dieux et les dieux sont moi. Peu importe ce que nous avons ensemble. Je suis en train de te dire qu'ils ont parlé. Et tu me parles encore de la tradition. De quelle tradition es-tu en train de parler? Est-ce la tradition occidentale ou bien la tradition que je suis en train de pratiquer? Hein? Je te parle de ce que le dieu m'a demandé que ce soit Onowu qui se mette sur ses trônes. Et toi maintenant, tu dis que ça ne va pas marcher. Tu penses que quoi? C'est inutile. C'est les dieux. C'est eux les dieux qui l'ont dit. J'aimerais que vous compreniez que c'est ce que les dieux ont dit. Vous ne pouvez pas les défier. Et pourquoi y a-t-il une réunion ici au palais sans qu'il y ait le roi? Yo, devinez qui est de retour. Bienvenue. Garde. Oui, Onowu. Qui est-il? Je n'ai jamais vu cet homme avant. L'avez-vous déjà vu ici au palais? Non, Onowu. Bien, vous attendez que je vous demande avant d'accueillir le prince? Que le dieu soit loué. Est-ce que tu peux fermer ta bouche? De quel prince tu te parles? Tu peux la fermer? Le prince Woko qui était mort il y a beaucoup d'années passées. Prince Waku, le fils héritier des Igwe. Le fils héritier au trône. Bienvenue. Merci énormément. D'ailleurs, où se trouve mon père? Qui est ton père? Nous te disons que le roi est mort il y a 11 ans passé. Oui. Ce n'est pas ça. Comment tu le cherches? Est-ce que tu l'as ressuscité? Laissez-moi d'abord vous demander où se trouve mon père, mon frère, ma soeur et toute la famille d'ailleurs. Mon jeune homme, bienvenue. Mon fils, ton père est déjà mort. Quoi? Ta sœur aussi était morte. Quoi? Et récemment, ton frère. C'est la raison pour laquelle ces deux hommes ont convoqué cette réunion pour investir Renaud étant le prochain roi.
Ça ne peut pas se faire. Ce n'est pas ça. Les grands prêtres ont convoqué cette réunion pour nous dire ce que les dieux ont dit. Comment essayez-vous d'ailleurs de répondre pourquoi à un étranger? Pourquoi tu lui dis tout ça? Pourquoi tu ne lui dis pas à propos des étrangers auxquels les rois... Les rois hébergent là-bas. Où est-ce que cet homme part? Il réclame qu'il est le prince Yoko. Et vous êtes là en train de lui répondre, en train de lui dire « Le roi vient de mourir ». Qui êtes-vous? Êtes-vous les personnes qui sont censées répondre à ces questions? Ijele, Ijele. Hein? Tu m'as dit que le roi est mort il y a 11 ans passé. Oui. Pourquoi l'avez-vous permis d'entrer au palais? Laissez-moi vous dire, lorsque je serai les Igwe, je me chargerai de vous. Tu te chargeras de moi? Je m'en chargerai de vous deux. Tu te chargeras de nous? Je vous bannirai. Mmh. Vous n'êtes même pas capable d'être les anciens, vous deux, là. Je vous bannirai. Oui. Qui a dit ça? Vous bannir de ces royaumes. Vous perdrez vos chapeaux rouges. Attendez maintenant que je m'occupe de vous. Revenez ici, non? Revenez. Revenez encore. Revenez avec votre réunion. Allez, partez. Je vais vous suivre jusque dehors. Partez. Hey. Vous deux, là. Vous voulez continuer à garder votre boulot? Oui, mon prince. Vous voulez réellement garder oui, votre boulot? Oui, mon prince. Alors, je ne veux plus du tout voir ces choses-là entrer ici dans ces palais. Hé, hey, mon Dieu. Ah, ah. Hé, hey, hé hey. Ces garçons nous avaient presque tués. Dieu merci, oh. Ces garçons nous avaient presque tués. Il n'a pas changé. Mm. Mon frère, s'il te plaît. Allons-y. Allons-y, allons-y. Pourquoi ce genre de bêtises? Hein? Quel genre de questions? Ne peut-il pas avoir du respect? Quel genre de questions dont tu veux qu'il aille? Tu m'as dit que ce jeune homme est mort il y a 11 ans passé. Hein? Qu'est-ce que tu attendais que je fasse? Il était supposé mourir d'un accident de la moto à essence. Est-ce qu'il a l'air de quelqu'un qui a fait l'accident? J'irai maintenant. Écoute, aisez-moi, je ne vais pas entendre ceci. Je ne vais pas autre chose. Tu l'as prononcé que je suis le Igwe. Je dois l'être. Hein? Mais fais quelque chose. Fais quelque chose pour ces garçons. Si tu ne fais rien à propos de lui, je le ferai. J'irai porter un très grand sacrifice sur sa tête. Et vont voir s'il soit sûr que ces sacrifices soient importants. Sinon, il ne va pas survivre à cela. Et Zemo, tu sais les conséquences. Il ne va pas survivre à cela. Tu le sais bien. Il ne pourra plus survivre okay. à cela. Ok. Je vais finir avec toi. Il ne va pas survivre. Chaud dans ces pays. Dis-moi quelque chose. Sommes-nous en enfer? Non, mon prince. Non, mon prince. Mais pendant qu'il fait très chaud ici, je vois. J'essaie encore de reposer ma question. Sommes-nous en enfer ici? Non, mon prince. Tu es tellement fou parce que ceci est un enfer. Où est le diable? Merci, mon prince. Les dames! Oh! 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 D'où est-ce que je peux commencer? Que je commence par ici. Tu es très très belle. Non, mon roi. Tu es très très belle. C'est bon. Tu es très très belle. Ah, mon prince, je ne sais pas. Oh, putain. Ne te demande pas pourquoi tu es si laide. Oui, mon... Tu es si vilaine, une femme très vilaine, hein? Je serai avec toi. Oui, Alléluia! Est-ce que je peux entendre quelqu'un dire Alléluia? La femme nigériane. Allez, vas-y, tourne. Vas-y, tourne, tourne, tourne encore. Putain! Ça, ce sont des fesses. Ça, ce sont des fesses d'une très belle femme. Si je les tenais comme ça et que je les mettais ensemble, et vous dites les filles qui ne sont pas belles, quittez d'ici. J'ai dit quittez. Merci. Merci, mon roi. Allez, quittez. Quittez. J'ai dit quittez d'ici. Deux filles très laides.
deux filles très laides. Oh, bébé, tu seras mon assistante personnelle. Ok? Mais au-dedans, comme dehors, à l'intérieur, comme à l'extérieur, mais plus souvent de l'intérieur. Est-ce que c'est compris? Oui, mon prince. Oh non, pour de vrai. Maintenant, pendant que je m'étais réveillé ce matin, mon lit était une femme. Maintenant, va là-bas sur mon lit. Vas-y, tourne-toi. Oh, Seigneur, aie pitié. Oh, arrête-toi là, arrête-toi là. Salut, salut. Salut, viens, 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 viens. Viens, 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 viens. Reviens, reviens. Reviens. Maintenant, je veux que tu marches très lentement pendant que moi je vais te contempler. Là maintenant, je vais te contempler. Allons-y très doucement. Voilà. Alléluia. Voilà le merveille de Dieu. Jésus-Christ est bon. Garde. Oui, mon prince. Prince. Oui, écoutez-moi très bien. Je ne veux voir aucun ancien passer cette porte. Oui, mon prince. Excepté Ije Ilo et Ije Udoka. Est-ce que c'est compris? Oui, mon prince. Est-ce que c'est compris? Oui, mon prince. Prince. Mon prince, tu nous as appelés. Ije Udoka. Ije Ilo. Mon prince. N'est-ce pas un très bon jour? Que le Dieu soit loué. Oh oui, j'avais besoin de vous. Je voulais vous voir. Mais avant que je commence autre chose, permettez-moi de m'excuser pour l'autre jour. Pendant que j'ai été appris qu'un roi ne peut jamais s'excuser, mais je suis prêt à faire une exception. Et aussi, je voulais savoir ceux qui sont avec moi et ceux qui sont contre moi. Oh oui, ne faites confiance à personne comme on l'a dit. Mais allons de l'avant, par rapport aux informations que je peux réunir. J'avais appris que vous deux là êtes de très bonnes personnes. Continue avec le bon travail. Et que le Dieu de notre terre continue à vous bénir. Ise. Maintenant, mes anciens, je veux savoir toutes choses, absolument toutes choses. Et aussi, comment est-ce que mon père était mort? Et mon frère? Prince Iwoko, Prince Iwoko, Prince Iwoko, Prince Iwoko, tu es le premier fils. Oui, tu as dû échapper à mon venin, tu as dû échapper à ma terreur. Et tu penses que tu peux revenir pour t'asseoir sur ce trône. Le trône de ce royaume, ça n'arrivera pas. Je te montrerai pourquoi je suis appelé Ijele, la mascotte. Tu es en train de prouver ton têtu. Tu es en train de prouver que tu es têtu juste comme ton père et tout le reste de ta famille. Tu vas le rejoindre et tout le reste de ta famille. Où ils sont? Dans la terre de mort. Que ces paroles prennent effet sur toi. Ce n'est qu'une mouche têtue qui suit les cadavres jusque dans la tombe. Hein? Nous allons voir. C'est très terrible. Parce qu'on dit qu'un enfant doit connaître d'où est-ce qu'il vient pour connaître où il s'en va. Oh, mon prince, s'il te plaît, fais-le entrer. Fais-le entrer. Rapidement, entrons avec lui. Rapidement. Attention. Ah!
Ichi, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quel genre de chose ça? Qu'est-ce qui se passe dans ces palais? Abomination. C'était comme ça qu'était mort le prince Kim. Mm-hmm. Et maintenant le prince Iwoko. Oui. Et tu sais qu'il est notre seul espoir. Vraiment. Je prie que rien ne lui arrive. Ah, mon Dieu. Aïe. Ichi, allons-y. Partons. Nous te saluons, nous. Bonjour. Et à toi aussi, Ezemo. Et comment va le prince Iwoko? Iwoko. Comment se sent-il déjà? Je crois qu'il va mieux. Il ne va pas mieux du tout. Hein? Le prince ne se rétablit pas. Il ne va pas bien. Pourquoi? Hey! Après tous ces traitements. Nous devons vraiment le voir. Entrons. Vraiment, c'est pitoyable. Rapide. Entrez à l'intérieur. Le prince a sali les habits qu'il a sur son corps. Hein? Entrez. Allez-y le nettoyer. Il est l'héritier au trône. Lavez-les. Attends. Hein? Comment tu as fait? Attends, Ezemo, hein? Tu es un homme méchant. Non, ça ce n'est pas le mal. Ceci est appelé le mal nécessaire. Attends. Dis-moi, j'aimerais savoir comment tu lui as jeté ce genre de maladie. C'est tout ce que tu es en train de voir maintenant, là-bas à l'intérieur. Jusqu'à ce qu'on arrive à cette heure de demain, ce que tu seras en train d'entendre, ça sera de plan sur comment est-ce qu'on va l'amener pour l'enterrer. Ça sera fini. C'est vrai. Et après, je serai investi, Igwe. Le roi est déjà prêt et il se tient là. Je suis impatient. Igwe. J'aime les honneurs. Igwe. Maintenant, je suis d'accord avec toi, nous. J'ai entendu leur voix. On peut aller. Partons. Allons-y. Ono, écoute. Ono, vraiment. Vraiment, tu es un homme méchant. Hein? Non. Si je deviens Igwe, toi tu seras Ono. Parce que je suis la seule personne qui peut te rapprocher de toutes choses. Oui, laisse-moi te dire, Ono. Toute femme que tu aimeras dans ce royaume, toute femme, peu importe sa peau dans ce royaume, juste dis-moi. Et comment à propos de ta fille? Rappelle-toi que cela a été notre accord. C'est vrai. Hein? Tu n'es pas sûr que je t'ai ivre quand Non, tu n'étais pas ivre. Tu peux demander autre chose. Igwe. Igwe. Demande autre chose. Non, rien de plus. Hein? N'importe quoi, hein? C'est fini pour toi, comme les Igwe refusent de te tuer. Maintenant, nous mettons fin à ta vie. Laissez-moi! Laissez-moi! Mmh.
Maman? 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 Que j'aille la chercher. Ichi. Mais qu'est-ce qui se passe? Notre prince est toujours malade. Et la situation ne fait que s'empirer. Les dieux de notre terre, je ne veux pas que mon prince Iyoku meure. Hey. La première fois, le roi est mort. La deuxième fois, la princesse. Et maintenant, c'est le prince. Hey, hein? Mon frère, quel problème que nous avons avec la mort? Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu dis? Tu es le grand prêtre. Ce n'est qu'une mouche têtue qui suit les cadavres jusque dans la tombe. C'est à cause de faire les têtues que sa famille a été nettoyée. C'est parce que le roi a fait le têtu qui est la cause de tout ce qui est en train de se passer dans cette maison royale. Plus encore personne n'est resté. Il est venu seul. Ton ami était allé. Oui, je l'ai envoyé quelque part au Nord. Il revient. Il revient bientôt. Rassure-toi que ces étrangers sont morts. Oui, Ezemo. Et pas d'erreur. D'accord, Ezemo. Tu l'as écouté. Oui, Ono. Hein? Oui. Le prince n'est plus pour t'empêcher maintenant. Oui, Ono. Non plus princesse qui peut t'empêcher maintenant. Oui, Ono. Efface toutes les traces. Oui, Ono. Et tu viendras me trouver à notre endroit d'habitude. Hein? Je le ferai sans faille, Ono. Ne laisse aucune trace. Pardon. Ada. Oninye. 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 Dépêchez-vous. Il vient de nous tuer. Mais qui? Il vient de nous tuer, s'il vous plaît. Okay. Maman, c'est bon. D'abord, maman. Maman, non, c'est maman. Il vient pour nous tuer. D'accord. Maman. Fui. Maman, là-bas. Maman, écoute. Fais-nous un peu. Maman, viens. Allons, c'est vite. Cours. Tourne vite. Pardon. Maman. Maman. Allons-y vite. Oui, d'accord. Entrons dans cette maison, entrons dans cette maison et fouillons partout. Je n'ai vu personne, je n'ai vu personne. Viens, 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 allons-y comme ça, allons-y comme ça. Oui, allons-y, 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 allons-y rapidement. Dépêche-toi. Allons-y vite.
Qu'est-ce qu'il y a encore? Vas-y. J'ai mal au pied. Je n'arrive pas. Elle nous dit d'abord, maman. Doucement. Maman, 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 efforcez-vous, non? Doucement, Nemo. Encore un peu de force. Qu'est-ce qu'il y a encore? Maman, ne fais pas ça. Vas-y, non. Ils vont nous attraper ici pour rien. Allons-y. Lève-toi, maman. S'il te plaît, encore un peu plus d'effort. Lève-toi. Oui, allons-y. Oui, cousin. Qu'on parte comme ça. Oui, prenez votre gauche. Prenez la gauche, oui. Allez-y, oui. Si vous... Oui, ne craignez pas. Allez-y, maman. Moi. Oui, d'accord. Courez vite. Allez-y, hein. Maman. Au revoir encore. Je le pense. Partez vite, partez. Tu partez maintenant. Ici. Oui. Prenez, partez pas. Je ne peux pas te laisser, maman, non. Bye. Je ne peux pas. Bye. Avance, maman. Ça va, c'est grave. Que Dieu vous garde. Papa? Papa? Qu'est-ce qu'il y a? Papa? Pourquoi tu cours comme s'il y a quelqu'un qui te poursuit?
Ils ont donné une information que Ono ou a envoyé les gars pour aller tuer Oma et sa maman. Oui. Quoi? Où sont-elles maintenant? Papa, je ne sais pas. Ok. Oui, papa. Entre à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe dans cette communauté? Les dieux de notre terre, pardon, sauver cette femme et sa fille. Hmm? Il y a le mal partout. Maman, ils sont là. Maman, dépêche-toi, allons-y vite. Maman, courant. C'est d'ailleurs très très bien. Elles vont d'ailleurs mourir dans cette forêt maléfique. C'est là que s'arrête le chemin pour vous. Obina! Mais où est-ce qu'il est allé? Obina! Ça va aller. Comment le faire? Oh mon Dieu. Je n'arrive pas. Maman, oh, maman désolée, ça va aller, maman. Maman, s'il te plaît, réveille-toi, maman. Maman, s'il te plaît, ne fais pas ça. Maman. Maman, s'il te plaît, encore un peu de force, s'il te plaît. Maman, s'il te plaît, lève-toi. Maman, ne fais pas ça, je t'en prie. Maman, s'il te plaît, bouge, lève-toi, s'il te plaît, un peu de force. Vas-y, maman, c'est bon, oui. D'accord, maman, c'est bon, je comprends. Lève-toi, encore un peu de force. Vas-y. Je n'arrive pas. Maman, cours, un peu de fort. Oui, ça va. Oui, ça va. Encore, oui, encore ça. Oui, ok. D'accord, oui. Mon Dieu. Maman, désolée, hein. Attention, attention, toi. D'accord. Ça va. Laisse-moi. Maman, désolée, maman, désolée. Force, s'il te plaît. Je peux plus. Non, je peux plus. Non, ok.
Attention. Attention. Attends, laisse d'abord. Maman, désolée. Aïe, 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 aïe. Ok. Aïe. Maman. Maman. Maman, désolée, non, maman. S'il te plaît. Arrête de faire ça, s'il te plaît. Tu me fais souffrir. S'il te plaît, de l'eau. Lève-toi. S'il te plaît. Maman. Va me chercher de l'eau. De l'eau. J'ai besoin d'eau. Maman, maman, je ne peux pas te laisser ici. Hein? S'il te plaît, essaye de bouger comme si je vais te chercher un endroit un peu plus confortable. Hein? Pas ici. Ok. Essaye un peu de te forcer. Maman. Attends, attends, attends. Oui, vas-y. Ok. Ouais, d'accord. Un peu plus d'effort. Ouais. Maman. Maman. Maman, c'est où? Dis-moi, c'est où? Hein? Aïe, aïe, aïe. Ici. Hein? Je te dis ici. Attends, attends, ça va aller. Attends. Hein? Aïe, 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 aïe. Ne t'inquiète, hein? Ça ira. Je trouverai une solution, maman. Attends. Maman, ici. Doucement. Doucement, s'il te plaît, maman. De l'eau. Ça ira. Désolé. Cherche-moi de l'eau. Un arbre. Maman, je ne connais pas ici, s'il te plaît. Je ne connais aucun endroit ici. Hein? Comment est-ce que je vais aller le chercher? De l'eau. Maman, sois patiente, j'arrive. De l'eau. Maman, maman, je t'ai apporté de l'eau. Maman, 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 je t'ai apporté de l'eau. Maman, je t'ai apporté de l'eau. Laisse, tu vas boire de l'eau, s'il te plaît. Maman, 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 s'il te plaît. Maman, 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 réveille-toi, s'il te plaît, maman. Ne fais pas ça. Maman, ne me fais pas ça, s'il te plaît. Non, c'est pas vrai. Maman, non, s'il te plaît. Maman, ne me fais pas ça, je t'en prie, maman. Maman, regarde-moi ta vie. Maman! Ah!
À l'aide! Qui peut m'aider? Maman, s'il te plaît, ne fais pas ça! Maman! Toi! Qui es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Je sais que tu as tué ma mère! Montre-toi ici! Viens! Viens, viens, maman! Maman! Maman, s'il te plaît! Maman! Maman, s'il te plaît, ne fais pas ça! Maman, s'il te plaît! Maman, pourquoi? Nemo, maman, maman, tu avais dit que tu ne vas jamais m'abandonner. Tu avais dit que tu ne me laisseras pas toute seule. Mais pourquoi est-ce que tu as m'abandonné, maman? Maman, Nemo. Om Mali Cham. Maman. Maman. Maman, où es-tu? Maman. Maman, je ne saurais être forte sans toi. Maman, s'il te plaît, je veux te voir, s'il te plaît. Montre-toi, je t'en prie. Je suis ici toute seule. Maman, s'il te plaît, montre-toi, je t'en prie. Où es-tu? Non. Tu n'as plus besoin de moi. Le temps est venu pour que tu arrêtes de te battre contre cet étranger. À la place, reçois-le. Il te dira plus sur nous. Sois forte, reste forte, ma fille. Om Mali Cham. Je ne te laisserai pas, ma fille. Je serai toujours avec toi spirituellement. Je parlerai à l'étranger, c'est promis, maman. Mais s'il te plaît, montre-toi d'abord. Je veux voir ton visage, maman, s'il te plaît. J'aimerais revoir ton visage encore pour une fois. Maman, s'il te plaît, ne fais pas ça. J'ai besoin de te voir. Maman.
Maman. Maman. Maman, peux-tu m'écouter? Viens, suis-moi. Te suivre? Omar, ouvre tes yeux et réveille-toi. Tu as été fortifié. Il a été dit que la protection de Jeune Chi repose sur les ailes de ta mère. Tout cela qui défie le mal, sachez qu'ils seront emportés par la colère des dieux. La nouvelle force est venue. Ton royaume t'attend. Ton royaume t'attend. Rassure-toi de le porter avant de rentrer dans ton royaume. Je ne peux pas aller toute seule, ils vont me tuer. Comme je le dis avant, tu as été hautement fortifié. Tu n'iras pas seul. Je serai avec toi pendant tout le chemin. Omar, vas-y. Merci. Merci. Une nouvelle héroïne est venu. Thank you.
Hé! Hé! Arrête-toi là! N'es-tu pas la même fille méchante qui était supposée mourir dans la forêt maléfique? Oh! Parce que tu es sauvée, tu as l'audace de revenir encore dans cette terre. Dégage sur mon chemin! Cette bataille n'est pas tienne! Tu as l'audace de me défier aujourd'hui. Tu vas mourir maintenant avec mes deux mains, devant mes deux yeux. Je te dégage sur mon chemin. Moi, tu ne m'avertiras plus. Ah! Je t'avais prévenu, mais tu n'avais pas voulu écouter. Hey, arrête-toi là! Arrête-toi là! Arrête-toi là! Tu es encore en vie! Hein? Tu t'avais échappé! Ah! Garde! Oui ou non? Tu ou là? Hey, c'est un pouvoir maléfique! C'est un pouvoir maléfique au... Oh. Je n'arrive pas à les croire au... Oh. La sorcellerie s'opère même la journée où... C'est impossible. Hein? D'un petit coup, le garde est mort. Hé! Hey! Ijele! Ijele, oh! Ijele! Qu'est-ce que c'est? Mon prince est en vie. Mon prince est en vie. Mon prince, aisez-moi. Notre roi. Ton ami là. Oh non. Toi la fille méchante. Mon prince. Donc tu as survécu. Qu'est-ce que tu es en train de faire avec cette fille maléfique? Oh non. Donc tu es encore en vie. Il est toujours oui? en vie. Donc tu te tiens même là pour essayer de me défier. Il est maintenant temps que je m'occupe seul de toi. Et je veux maintenant te donner la mort. Tu résistes? Tu résistes et tu résistes, je continue à me défier. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, hein. Je viens. Itoumé, je me suis engagé dans une bataille plus forte. Accorde-moi le sept pouvoirs venant de cette colline. Accorde-moi le sept pouvoirs venant de cette colline. Accorde-moi le sept pouvoirs venant de cette colline.
Onowu. Hein? Toi? C'est la tradition. Tu es un méchant. Tonton est arrivé, Onowu. C'est la tradition. Arrête de parler de la tradition. Tu es un méchant. Et tonton est arrivé. Non, c'est la tradition de notre peuple. Nous l'avons acquis de nos ancêtres. C'est ce que nous essayons de pratiquer. Ferme ta bouche, tu es un méchant. Il est maintenant temps que tu partes. N'aie pas pitié. Qui est-elle? Lève-toi que je te vois. Grand prêtre Ijele. Tu n'as pas la force de me défier. Le puissant Ijele. Ah! Ijele. Ijele. La mascotte ne vient jamais sans un message venant de la part de Dieu. Je te connais. Je pensais que je t'avais gagné il y a quelques années passées. Tu pensais? Tu es aussi petit qu'une fourmi. Un enfant qui refuse de savoir ce qui a tué son père le tuera aussi. Je vais te finir. Comme j'avais déjà fini avec ton père. Aujourd'hui, c'est ta fin. Il gèle tout cela qui défie le mal, porte en eux un pouvoir supernaturel. Je suis très content que tu aies manqué tout ce qui pouvait te donner ce pouvoir surnaturel. Car pour le père et pour le fils, tu n'as pas pu voir une autre combinaison. Cela ne veut pas dire que pour le fils, il n'y aura pas une autre combinaison à côté du père. Donc tu oses me défier? La seule personne qui a essayé de me défier, où se trouve-t-il? Je crois qu'il est déjà mort et c'est ton temps aussi de mourir. Il est temps que je finisse avec toi comme j'en ai fini avec ton père. C'est grave. Hey. Non. Prince. Bon retour. Notre peuple. C'est la tradition. Je lui avais dit que tu faisais. De faire semblant d'avoir le pouvoir. Or, il n'en a pas. Il n'en a pas. Regarde comment vous deux vous l'avez tué. Pourquoi tu me regardes comme ça? Toi. Ne me tue pas, ne me tue pas. Oui, oui, nous avions sacrifié Igwe. Mais, nous l'avions souhaité. Parce que c'est Ezemo qui voulait que je sois investi Igwe. Je lui avais dit que Onowu ne peut être un Igwe. Onowu ne peut jamais être Igwe. Mais il a insisté que je le sois. C'est alors que nous avions tué les rois. Hey. La princesse, oui, la princesse. Oui, la princesse devrait être seule. Et je ne savais pas que le prince est encore en vie. Et alors nous l'avions envoyé d'accompagner son frère et son père vers l'au-delà. Voilà un peu. Ne me tuez pas. Ne me tuez pas. Toi, nous avions fait du mal dans ta famille. Alors nous avions planifié un complot. Un complot. Et cela était sur la tête de ton père. Et il l'a envoyé en exil. Tu es de ce village. Tu es surprise. Elle est surprise. Elle est surprise. Donc c'était toi. Ne le sois pas. Ne le sois pas. Écoute, toi. Donc toi. Écoute.
Laisse-moi te dire, ton père devrait être le grand prêtre de ce royaume. Mais tu sais que Ezemo m'a aidé d'une autre manière. J'ai décidé de l'aider aussi. Nous avions menti un problème à ton père et nous l'avons envoyé en exil. Et c'est de là qu'il a été tué. C'est vraiment bien lui, les Ezemo de ce village. Mais tu as tout dans ton corps, hein? Le pouvoir naturel venait de Dieu. Mais nous avions sacrifié ton père pour que Dieu le soit Ezemo. Écoutez, tout est fini. Tout ce qui s'est fait, c'est déjà au passé. Hein? Cependant, le prince qui est ici serait le Igwe. Hein? Alors, je serai toujours Onowu. Hein? Alors, toi, tu seras Ezemo. Ah! 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 C'est ce qu'il mérite. Donc c'était eux qui avaient fait tout ça. Garde! Tu peux essayer d'enlever ces cadavres inutiles avec aucun respect. Oma. Oui, Nai. Je pense que hier j'étais au palais. Quand je t'ai vu pour la première fois, je savais vraiment que tu as quelque chose de très spécial. Hey. Qui devrait croire que tu es de ce village? Et la fille du défunt, Ezelubé. Chai. Ton père était un homme de droiture. Merci, Nai. Eux aussi. Accepte mes sympathies pour la mort de ta mère. Merci, Nai. Ok, comment va la fille d'Ono? Ça fait de temps que je ne l'ai pas vue. Nkechi, celle-là, cette méchante fille a déjà quitté ce village parce qu'il ne voulait pas que quelque chose de mal arrive à son père. Hein? Les inutiles! Il faut laisser le portail ouvert. Dialandiala! Puissant! Les folles! Puissant! Kukita! Gens insensés! N'importe femme quoi méchante. Qui êtes-vous, hein? Hé hey, où sont-elles? Où sont-elles? Où hey, sont-elles? Espèce de folle. Sortez d'ici. Sortez. Hé hey, dépêchez-vous. Sortez ici. Qu'est-ce que tu continues à faire ici? Sortez. Dehors. Vous allez quitter ces royaumes. Vous avez que 2 heures de quitter ces royaumes. Oh non, s'il te plaît, s'il te plaît. Quittez ce royaume et partez. Parce que non, si vous ne quittez pas ces royaumes, toi, je vais tu vois tuer, toi, hein? Vous enterrer, je vais te tuer avec mes propres mains. Tu vas voir. Ta tu es venu voler mon homme. Je ne même pas honte. Tu es venu voler hein? mon homme. Silence. Écoutez-moi, je vous avertis. Je vous donne que 2 heures. La ferme. Juste 2 heures. Allez, quittez ici. Sinon. Pardon. Ah, cette fille et son père avaient maltraité moi et ma mère. Et Dieu va le punir. Mazeo Keke. Ichadoka. Mazeo Keke. Ichadoka. Est-ce que vous allez bien? Salut Nai. Ichadoka, bienvenue. Merci. Pardon, prends place. Je reviens tout juste du palais. Le nouveau roi t'a choisi comme étant le nouveau Onowu. S'il vous plaît. Quoi? Hey! Tu es Onowu. Tu es le nouveau Onowu de tout ce village. Oh, papa! Oh, mon je suis maintenant fière d'être votre fille. Ok, fais vite, ne pleure pas le temps. Va prendre le vin dans ma chambre. Je me demande. Ah, félicitations. Hey. Merci. Nai. Merci. Félicitations, Nai. Merci, ma fille. Ah, vraiment. Merci. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues.